Rudi Vervoorde vit une journée folle, folle, folle. Il a prêté serment comme ministre-président de la région bruxelloise devant le roi en fin de matinée sous les yeux du Premier ministre Élodie Rousseau. Mais avant cela, il prête serment face à la présidente du Parlement bruxellois, Françoise Dupuis. Un moment très protocolaire, quoique émouvant pour certains. Oh, mais il est toujours comme ça, on a un peu le même caractère, un peu cool. Quant au chef de groupe et maire dans l'opposition, Vincent De Wolf, il accueille le nouveau ministre-président, non sans un brin d'humour, un peu rosse. Premier discours de Rudi Vervoorde comme ministre-président. La seule œuvre à laquelle j'entends me consacrer à partir de ce jour est de donner du souffle et de l'ambition à mon gouvernement. Ah oui, on allait oublier, ici, il tient son premier gouvernement bruxellois. C'est un homme convivial, ouvert, plein d'humour et qui manie avec habileté le consensus quand c'est nécessaire. Il a un peu le même style que M. Piquet, je pense, et donc ça me met à l'aise. Nouvelle dynamique, un nouveau style, une nouvelle méthode, donc que rêver de mieux. Je ne suis pas du tout inquiète, parce que bon, il y a peut-être un nouveau patron, mais on reste quand même toute une équipe avec un projet qui va se poursuivre. Ouf, allez, Monsieur le ministre président de la région bruxelloise, il reste encore 13 mois avant les prochaines élections régionales.